Des informations officielles viennent de tomber sur le tout dernier film One Piece par Eiichiro Oda qui risque fort d'être le plus émouvant et épique de tous. Bande annonce, date de sortie et titre, bienvenue au Mont Corvo pour un décryptage complet de One Piece Stampede. Ça y est, nous avons un titre pouvant être traduit par débâcle, fracassement ou encore fuite. Stampede est prévu pour le 8 août 2019. La bande annonce dévoile des choses très importantes. Premièrement, la problématique du film qui sera sûrement les rêves et promesses faites tout le long du manga. En effet, One Piece Stampede sortira pour fêter les 20 ans de l'œuvre, une rétrospective complète des promesses faites par les Mugiwara. Oui, Mugiwara, car Vivi et Jinbei sont bien dans le trailer, chacun hurlant leur rêve à Luffy. La volonté pour Eiichiro Oda de rendre ses films canons, ou du moins les antagonistes comme Guild, Zed ou encore Shiki existant bel et bien dans le manga, Stampede lui pourrait être totalement canon. Beaucoup pensent à l'introduction des Rocks Pirates ou encore Vegapunk et son projet pour remplacer les 7 grands corsaires attaquant Luffy, d'où le chapeau de paille déchiré sur l'affiche officielle du film devant un monstre de ferraille géant avec la phrase suivante. Que signifie le chapeau de paille s'envolant au loin et quel est ce monstre dans les débris? Sortie donc prévue pour le 9 août 2019, préparez-vous à vivre une expérience unique avec le Mont Corvo car on vous promet d'organiser une énorme avant-première pour ce film qui risque d'être le tout dernier comme annoncé par Eiichiro Oda voulant se concentrer sur le live action prévu pour les années suivantes. Préparez-vous donc à trembler et hurler dans les salles obscures en août 2019 en France avec le Mont Corvo of course. Des informations risquent de tomber dans les prochaines semaines, nous vous invitons alors à rejoindre au plus vite notre Twitter, Facebook et notre Discord partenaire One Piece pour être au courant de toutes les informations qui vont fuiter sur le film et bien sûr à nous rejoindre sur YouTube au Mont Corvo pour nos prochaines vidéos news. En attendant, nous vous mettons le lien du trailer officiel dans la description et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, on a hâte d'entendre votre avis. Nous pensons que le ton du film sera plus sombre que les précédents opus. Quatrième film supervisé par Oda, les pleurs ont l'air de succéder au rire de Gold. Nous allons avoir droit à un film beaucoup plus sérieux et profond que les précédents, se concentrant directement sur l'équipage des Mugiwara et peut-être même nous faire croire à la mort d'un de ces derniers. Le monstre de fer pourrait être une ultime épreuve, créant une débâcle, fracassant les rêves des Mugiwara, les obligeant à fuir. Une véritable stampede.